C'est parti pour 5 sites pour écouter des livres audio gratuitement. Et on commence avec Audiocité. Donc ici, on a des bénévoles qui vont lire des livres audio. À la base, c'était un site destiné aux malvoyants. Ce qui est chouette chez Audiocité, c'est que vous trouvez vraiment de tout. Des poèmes, des nouvelles, des romans. Vous avez vraiment l'embarras du choix. On continue avec Littérature Audio. Bon, déjà, c'est un site qui rassemble 8000 livres audio, donc clairement, vous n'allez pas vous ennuyer. Et ensuite, tous les livres audio sont téléchargeables gratuitement. Petite astuce également, pour ne pas vous perdre dans le catalogue, vous pouvez trier par genre, par auteur et même par donneur de voix. Et on continue avec LibriVox, qui va notamment intéresser les personnes qui lisent en langue étrangère et notamment en anglais, puisque c'est un site américain. Néanmoins, c'est un site qui rassemble pas mal de livres audio de plein de langues différentes, notamment le français. On retrouve à peu près une centaine de livres audio en français. On enchaîne avec Bibliboom. Ici, vous pouvez soit consulter directement, soit télécharger un peu plus de 300 livres audio. Et le petit bonus, c'est que vous avez souvent accès au texte intégral. En revanche, il y a beaucoup trop de pubs. Et je termine avec eBook Kids pour les enfants. C'est un site qui recense près de 400 livres audio pour nos petits bouts de choux. Le vrai plus, c'est qu'on peut filtrer par âge et par durée, donc c'est vraiment une pépite. Pour retrouver facilement tous les sites que j'ai évoqués, n'oublie pas d'enregistrer la vidéo. Et pour plus de recommandations de lecture, n'oublie pas de t'abonner.